Ouais, super soirée. On avait vraiment à cœur de continuer cette dynamique avec la victoire la semaine dernière à Béziers à la dernière minute. Et voilà, ce soir, on voulait fêter ça avec nos supporters au Stade des Alpes pour confirmer. Ça pouvait être un match piège, un piège comme on a pu tomber auparavant dans certains matchs après quelques victoires, à jouer à domicile et justement chuter ici. Donc, non, voilà, très belle soirée et content du résultat. Ouais, c'est ce qui fait notre force depuis quelques matchs, c'est qu'on arrive à basculer le match sur certains moments ou à recoller au score rapidement. Et ce soir, c'est ce qui nous fait du bien. On s'était dit à la mi-temps de rester sérieux, de sortir proprement de notre camp et de continuer à essayer de proposer notre jeu. On prend un essai un peu casquette d'entrée de deuxième mi-temps et on arrive à recoller au score tout de suite. Donc voilà, c'est 5 points ce soir qui nous font vraiment du bien. On va espérer le plus loin possible sur cette lancée. Ça serait beau, mais on sait que le bloc est très compliqué avec tous ces matchs enchaînés. Donc voilà, le groupe gère très bien, le staff gère très bien. Et on va essayer de continuer sur cette dynamique pour se rapprocher en haut du classement, pour essayer d'aller chercher quelque chose en fin de saison au Stade des Alpes. Des matchs comme ça, je pense que quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant, ça aurait pu vite tourner en notre défaveur et que ce soir, on arrive justement à rester lucide, concentré jusqu'à la fin et tout faire pour que ça bascule de notre côté. Ouais, ça fait du bien d'arriver à gérer le match jusqu'à la fin, à basculer le match et à repartir avec une victoire bonifiée, avec ce score, c'est très important pour nous et voilà, encourageant pour la suite. Ouais, c'est ça, c'est que chaque joueur a réussi à s'adapter à cette situation. On sait que c'est pas évident à gérer, mais voilà, ce soir, tout le monde a réussi à rentrer dans son match, quoi qu'il arrive, et à tout faire pour l'équipe.